Bonjour, je m'appelle Corinne Lunghitano et je fréquente la 4e année de l'École Technique, cours de relations internationales pour le marketing. Je suis ravie de participer à cette cérémonie parce que j'adore la langue française. Et je pense que c'est un atout pour mon travail. Je vous présente les villes où se trouvent nos écoles. Capo d'Orlando est une charmante ville balnéaire sur la côte nord de la Sicile. Selon la légende, elle a été fondée par Agathyrsus, le fils d'Éole, au moment de la guerre de Troie. Au début du Moyen-Âge, le nom Agathyrsus a été remplacé par Orlando et l'honneur du palais de Roland, qui a fait escale dans notre ville. Capo d'Orlando est l'une des attractions touristiques les plus importantes de l'Embrudi. Les Monts de la Vierge, grimper les monts par ses longues escalières. C'est un tamer, un voyage spirituel, au sommet duquel se trouve un sanctuaire et mémoire de la Vierge Marie, d'où les visiteurs peuvent profiter d'une vue magnifique sur Capo d'Orlando et les îles Éoliennes. Villa Piccolo, c'est une élégante villa de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, un musée qui accueille les souvenirs artistiques de la famille Piccolo de Calanovella. L'écrivain Giuseppe Thomas di Lampedusa a rendu visite à ses cousins de cette villa, où il a écrit quelques pages de son chef-d'œuvre, Il Gattopardo. Le port, situé dans le village de Presce de San Gregorio, a officiellement ouvert ses portes en 2017. Il est devenu la principale attraction touristique de la ville, pour son paysage suggestif. À l'intérieur du port, on trouve des restaurants, des centres commerciaux, des cafés et des centres de divertissement. La construction du château Bastione, appelé Tour Trappeto, remonte au 4e siècle. Remplaçait une ancienne fortification lorsque la culture du cannamela, canne sucre, s'est répandue dans les plaines environnantes. Son but était de défendre les plantations de cannamela contre les raids des pirates. Brolo est une charmante ville sur la côte nord de la Sicile. Au Moyen-Âge, elle possédait un château sur la mer. Et ce château est l'un des symboles les plus représentatifs des fortifications quartières en Sicile. À l'intérieur, il y a un musée. La Tour est le siège d'une association culturelle appelée Médiévale, qui organise des expositions et des séminaires.